Et bonjour Internet, bonjour petit canard, ici Casabania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate. Moi je l'ai, je retrouve sur Baron Empire, on continue la découverte de ce jeu. Nous sommes en 1912, décembre 1912, dans une ville de 6600 habitants. On change d'air dans 12 mois, on passera à l'ère 3. Eh oui, bientôt l'ère 3 les amis. Ah là là là, ça avance vite, hein. Ça avance vite. Et on a un énorme trou dans nos revenus de la ville, et on est en train de perdre en plus des sous. Donc on va aller voir un tour au conseil municipal et regarder un petit peu le taux d'imposition. Alors, on va augmenter le taux d'imposition sur les entreprises à 27%. Enfin, c'est un peu beaucoup quand même, 27%. Chez les citoyens, on a fait plein d'avancées sociales. Plein d'avancées sociales, donc il faut les financer. On va être obligé donc de revoir un petit peu nos impôts et les services maintenant. Non, le théâtre, on va le laisser comme il est. On va laisser tout ça comme ça. Ok, on va regarder un petit peu si on a des décrets sympathiques à passer. Couvre-feu en ville, interdiction de flâner, barrière de la classe précaire, interdiction des BD obscènes, rejet de la contraception, soutien à l'éducation physique, aide aux vagabonds. Alors, tout ce qui est soutien, ça coûte des sous, c'est ça le problème. Alors, on va rien passer pour le moment, il n'y a rien de trop urgent. Alors, modification des impôts, c'est en train d'être délibéré. Pour le moment, le budget, ça pue la gueule. Ah là là, ça pue vraiment la gueule. Moins 16K. Ah ouais, bien, c'est pas ce qu'on avait prévu, ça. Crise économique. Kadhafi connaissait une situation économique. On va envoyer une lettre à l'empereur. L'empereur a envoyé un émissaire pour vous réprimander. Il nous rapporte des sous. Il me rapporte des fonds propres. Par contre, je perds 20 points de prestige. Attention, on va repasser. On va repasser en positif, rien du tout. On était si mal que ça. Ah oui, d'accord, on était si mal que ça. Bon, on va modifier les impôts, ça devrait remonter. Au secours. Au secours, faut que ça remonte vite. Vite, 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 vite. Bon, j'ai des fonds propres, c'est cool. Allez, on passe à l'ère 3. Cela ne m'intéresse pas. Je ne sais rien de l'histoire et toute l'histoire du monde ne vaut pas un centime. Oui. Cela ne signifie rien pour moi. C'est de la tradition. Nous ne voulons pas de la tradition. Oui. D'accord. Nous voulons vivre dans le présent. Alors il parle, mais pourquoi ? Quelque chose est celle que nous créons aujourd'hui. Alors, la Grande Guerre était censée être la guerre des dères, et elle fut accueillie à la fleur au fusil, au lieu de quoi elle plongea le monde, dont le chaos détruisit 16 millions de vies. Elle changea également le monde, ce que la mobilisation des hommes permit aux femmes d'entrer par la première fois en base en vie publique. Alors, on finit l'ère 2, à 217 en prestige, par contre avec moins de 274 000 gold dans les caisses, 300 000 dans nos fonds propres, et 36 points de matière grise. Alors, oula, oula le bordel. Non. Je peux pas. Ah non, non, ça délire. Carla Kilgannon, petite fille de Dougal, Clara, pardon, poursuit la... Ah, c'est Clara, Carla, c'est pareil. Poursuit la croisade des Kilgannon en faveur des opprimés, faisant partie des premières femmes à avoir obtenu un diplôme universitaire d'Hans Varley, à militer pour les droits des femmes, son engagement de suffragette à la ironie du mariage et à la garde d'amis proches parmi les hommes. C'est une grosse couinasse, bordel. Chaud. Elle est progressiste, elle est cynique et elle est honnête. Quand le monde change, cela affecte également les peuples et leurs représentants. À l'aube d'une nouvelle ère, la demande en services des citoyens augmente et les électeurs disposent d'un nouvel offre politique. Vote positif. Nous avons le parti central, le parti chrétien-démocrate, le parti de la liberté, le parti modéré, le parti progressiste. En vote négatif, nous avons le parti physiocratique, libéral-démocrate, autonomiste, indépendantiste, obsolète. Loi sur la sécurité au travail, interdiction de flâner, hygiène des chirurgiens. Aide financière pour l'eau courante, loi sur les moyens de subsistance et aide aux vagabonds. Changement de besoin de service. Quand le monde change, cela affecte aussi le reste. On a 20 en développement personnel, 15 en vie sociale, 15 en sécurité, 20 en santé, 15 en cadre de vie, 15 en divertissement. Ok. Le Parti des Libertés remporte l'élection. Le Parti progressiste arrive second avec un soutien de 17%.
Le bétal perd son bras de fer contre les polymères. D'après un expert, les polymères plus durs que l'acier vont donner au métal la gueule de bois. L'Europe mise à feu et à sang par la Grande Guerre. Donc, en 1918, on va pouvoir faire un petit tour, du coup, sur les nouveaux partis politiques qu'on joue à la scène. On va voir ce que ça donne. Modification des impôts, là, faut que ça passe, par contre. Ah. Ok, alors, j'ai le parti sociodémocrate qui sont avec moi. J'ai le parti, c'est un nouveau parti, alors on va regarder un petit peu. Parti sociodémocrate, parti progressiste des libéraux du centre-gauche qui aspire à ouvrir de nouvelles voies publiques. On va leur demander un petit coup de main. Ça me donne la chance. Vous ne voyez pas les bénéfices pour la ville? Ok, ils sont tous là. Alors, ça c'est quoi? Le parti central, un parti centriste cherchant un juste milieu idéologique tout en tendant légèrement à gauche. On va supplier gentiment. C'est un sujet très important pour moi. Ok. Après, nous avons les partis chrétiens de Grande-Bretagne. Un parti moraliste de droite mettant l'accent sur les valeurs religieuses et chrétiennes. On va exiger. Cela poussera les autres villes à nous respecter. Ok. Nous avons le nouveau parti modéré, un parti centriste, inclinant sur la droite et lié à des intérêts industriels. Nous allons exiger. Les faire sentir honteux de s'opposer à moi. Et on a le parti de la liberté, un parti d'extrême droite qui estime qu'il faut un chef fort pour rassembler toute la classe virile sur la même bannière. Nous allons les menacer. En les menaçant, les conseillers du municipaux du parti de la liberté pourraient changer d'avis à propos du décret. Comment allez-vous procéder ? S'adresser au parti tout entier. Ok, ça a bien marché. Et maintenant, on va lancer le vote. C'est pour la modification des impôts. Putain, c'est serré. Oh, c'est pas passé, ils ont foiré. Je rejette la décision. J'ai dit non. Et c'est un vote qui passe. Parce que je me suis imposé. Ah, ça va pas leur plaire. Alors, on a une énorme crise résidentielle. On a trop de logements et pas assez de monde. Et ça craint grave. Ah, il y a eu la guerre, il y a eu la crise, c'est plus la gueule. Bienvenue, Kazarafen, vous êtes Carla Kilganon, fille de Gudoklad Kilganon. Ouais. Dans le mouvement d'enthousiasme qui a suivi l'indépendance de la Svereli, conséquence de la Grande Guerre, vous avez été élue maire haut la main. Il faut dire que vous êtes l'une des rares femmes ayant reçu un diplôme universitaire dans le pays. Et pour survivre, la Svereli a besoin d'exploiter son plein potentiel. Kazarafen compte désormais sur vous. Quelle est la première chose que vous allez reformer pour tenter de faire du monde, ou du moins la ville, un meilleur endroit? Alors, ça y est, nous sommes donc maintenant indépendants. La Svareli est indépendante, elle est plus liée à l'Empire autrichien. Il n'y a plus d'Empire autrichien. Et par contre, il y a une grosse crise du logement, c'est que il y a trop de logements et plus assez de monde. Alors, il y a peut-être qu'il y a plein de monde qui sont morts à la guerre, on va expliquer ça comme ça. Alors, le fonctionnement des asiles psychiatriques, la condition féminine, la liberté d'être et de penser des gens. Ça me plaît bien ça. Liberté d'être et de penser des gens. Zou. Zou, 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 zou. Alors, par contre, là, on est moyen niveau environnement, développement personnel, divertissement. Donc on va attendre que les finances publiques s'assainissent et on va voir si je peux construire des choses avec mes fonds propres. Il va nous falloir... alors, regardez là où il y a des... Là, c'est moins 2, par exemple, en environnement. Est-ce que je peux mettre un truc de type environnement pour faire en sorte que ça soit plus sympathique, la vie? La vie, la vie, la vie... J'ai que des petits parcs. Fait chier, ça. On va mettre un petit parc ici. Hop! Je vais le confirmer. Je vais le proposer. Je vais le payer avec mes fonds propres. Voilà, et l'entretien sera payé. Allez, je soutiens le développement de ce truc-là. Voilà. Mon petit parc, il est OP. Et à combien je passe du coup en environnement? Je suis toujours à moins 3 pour le moment. Putain, moins 3, moins 2, c'est quoi ce bordel? Oh, ça manque pas. Faut de ma gueule. Putain, je me démène en plus. Alors ici, il y avait plein de choses qui n'avaient pas été mises en place.
comme le réseau d'eau. Il faudra le faire. Par contre, ça coûte grave cher. Mais on va demander à ce qu'on l'active. L'éclairage au gaz, les égouts. On va confirmer les infrastructures. On va le passer en mode normal. Par contre, ça va coûter super cher à la ville. Mais faut remonter un peu tous les points là, c'est un peu galère. Ah, ça nous a mis dedans là, l'ère numéro 3 là, ça nous a plombé un peu. Commerce en difficulté à l'Hexagone. L'effondrement des ventes a contraint la propriétaire d'entreprise à café de venir dans votre bureau pour vous demander conseil. Autorisez le propriétaire à dire que vous le recommandez. Combustion. Le monde commence à découvrir des usages commerciaux pour le moteur à combustion interne. L'administration de votre ville cherche comment exploiter cette invention qui pourrait bénéficier de plusieurs manières de la société qu'elle allait vous faire. Encourager la production locale. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme institution? Je peux pas voir, c'est grisé pour le moment. Pas trop mal là, c'est pas dégueulasse. J'ai toujours les points d'environnement qui sont moyens quand même. Droit de vote. Par la présente, nous proposons que les citoyens puissent élire au gouvernement les représentants démocratiques de leur choix. Je soutiens. Je soutiens le droit de vote. La loi propose de supprimer les 100 pour le droit de vote. Une nouvelle loi pourrait donner aux citoyens le droit de vote sans considération de ressources. La proposition décrite par la Ligue antidémocratique comme un mélange de plutocratie et de populisme devrait diviser les ex-politiciens dont certains auraient reçu des envois excessifs de fleurs de la part du citoyen lambda. La famine ravage l'Arménie. Le génocide arménien est une tentative délibérée de l'Empire ottoman pour détruire tous les Arméniens dans leur propre pays. Des femmes d'un nouveau genre dans la haute société. L'homme à la grande guerre, les comportements de la société envers les femmes sont devenus plus permissifs. Eh bien, tant mieux. Les élections municipales approchent. Le conseil municipal va bientôt désigner le maire qui gouvernera Kaiser Reifen. Des vols transatlantiques sans escale. En 1919, un Vickers Vimy est le premier avion à traverser l'Atlantique sans escale. Il ouvre une nouvelle ère pour le commerce, le tourisme et la guerre. Le jazz fait son apparition en Swahili. Le jazz est une musique américaine née dans les boîtes de nuit tenues par les Noirs. Beaucoup sont influencés par son origine et ses rythmes sauvages. Oh putain, faut pas pousser non plus. Calme. Allez, apparemment il va y avoir un vote. T'as peur. Ah là, on a des finances pas trop mal. Oui, c'est l'Hexagone, on est en train d'installer le réseau gazier, l'eau. Hop, c'est parti. Les gens sont tous à peu près pour, sauf les partis nazis. Franchement, c'est le parti nazi, c'est le truc d'extrême droite qui est là. C'est pas autre chose. Ah, je vous jure. Alors, le crise du logement est en train de se tasser. On a toujours une bonne demande industrielle et commerciale. Alors, on va améliorer nos quartiers à fond. Un nouvel âge d'or, le monde entre dans une période de croissance qui, contrairement à toutes les autres, ne prendra jamais fin. Tout va pour le mieux dans le secteur, la productivité, les ventes explosent, le commerce accélère, parfois même les salaires augmentent. Mais les économistes avertissent que les bulles se forment et éclatent par cycle. Des vols en atelier, ok. On va augmenter les conditions de vie de tous ces trucs-là. Le vieux casque, j'aimerais bien le booster un peu. Ah merde, pourquoi moins 534? Qu'est-ce qu'on a acheté pour que ça coûte si cher? Ah bah oui, on a financé... L'amélioration du quartier ici, c'est vrai. Emplissez la terre. Le Parti chrétien démocrate vous propose d'interdire tous les moyens de contraception. Je m'y oppose. La contraception encourage les comportements immoraux et doit être immédiatement interdite. Attends. Rejet de la contraception. Vous avez expliqué de manière sensée pourquoi vous êtes contre l'interdiction. Le Parti démocrate chrétien. A réussi à convaincre le conseil municipal qu'un vote est nécessaire. T'as fait chier, merde. Interdire la contraception, non mais sérieux. Puis quoi encore, bande de cinglés. Fait chier, merde. Est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer le quartier de l'enclume? On va attendre que les finances retournent au positif. Que les caisses de la ville reprennent des couleurs.
Allez, un homme moins de tout. Alors, peur du noir. Kaiser Affen a des rues si sombres pendant la nuit que les habitants ont peur de sortir qu'elle le faire. Non. Non. On va augmenter un peu les patrouilles de police. D'accord. Ah oui, il y a moins 4. Il y a moins 4 en sécurité de la ville. Effectivement. Alors, il serait peut-être intéressant d'augmenter les financements pour certaines choses. Ah, divertissement, ça pue de la gueule. Environnement aussi. Ok, le Parti social-démocrate remporte les élections. Le Parti de la Liberté arrive au second. Waouh. Les social-démocrates après les nazis? Oh, c'est chaud. C'est chaud. On va attendre que tout ça se tasse un peu. Et là, vous voyez, je commence un peu à être bloqué. L'élection du maire. Au début de la troisième ère, l'élection du maire approche. Pour la première fois, à partir de ce moment, vous n'êtes plus assuré de rester maire. Si vous n'êtes pas réélu, c'est en effet fini pour vous. Les élections se tiennent tous les 6 ans. Donc, il est difficile de construire de bonnes relations de travail. Elle qui est partie. Ok. Alors. Les élections municipales désigneront qui gouverne Kaiser Affen. Bon. On vote pour un nouveau maire. Assister au vote. Ok. Je fauche les coups. Ici. Voilà. En pratique, l'élection du maire est un simple vote du conseil, fondé sur vos relations avec les autres parties, c'est-à-dire la connaissance dont vous justifiez auprès d'eux. Ok. On va solliciter les parties. Hein. Bonne chance. Donc, on a nos fidèles partis social-démocrates qui est avec nous depuis le début, le parti progressiste qui est pas trop mal. Allez, on a les parties centrales, on va les supplier gentiment. On va inviter le chef du parti à dîner. On va menacer le parti de la liberté, qui sont les nazillons. On va le menacer, le parti du problème au sein du conseil. Et là, ça devrait passer. On va pas trop s'enflammer. Commencer le vote, je peux pas. Pourquoi? 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 Pourquoi c'est grisé? Faut que je sollicite tout le monde? Ça? Le parti démocrate catholique, on va les exiger. Ok. Le parti modéré, on a besoin. Ça nous rendra plus fort. C'est bon? Je fais tout le monde là. Ah, pourquoi je ne peux pas? Ah, faut retourner à l'écran de la ville. Ah oui, d'accord. Ah, faut attendre. C'est ça? Mais voilà, faut attendre, on a parlé un peu à tout le monde et ça se fera le mois prochain peut-être, c'est ça? On va voir. J'accélère un petit peu le temps. Ah oui, d'accord, c'est en train de monter, effectivement. Alors par contre, ils font chier, c'est qu'ils veulent voter pour le rejet de la contraception. Ça, moi, ça me plaît pas trop. Je trouve pas ça progressiste. Alors, ils sont tous contre. Tant mieux. Ah, par contre, moi, je vois que mes amis sociaux-démocrates, là, il faudrait être un peu plus contre. Ah non, garantir ce vote. Non, mais je veux pas que garantir. Voilà, le vote contre est important. Et là, ça devrait passer, tranquille. Mais bon, ça passe. Ok. Donc, c'est pas passé. On n'a pas voté contre la contraception. La place des femmes dans la société. La fin de la Grande Guerre a grandement modifié la place des femmes dans la société. Laquelle est la plus importante selon vous? L'accès plus large au travail. Voilà. Entreprise à responsabilité limitée. Il n'est pas à présent proposé que les entreprises à responsabilité limitée puissent être créées. Soutenir. Ok. Le Conseil impérial sur le point d'introduire une législation portant sur un nouveau type d'entreprise. Le Conseil impérial débat actuellement sur l'introduction de nouveaux types d'entreprises nommées SARL. Ce type d'entreprise permet aux détenteurs de parts sociales de limiter leurs risques financiers. Ok. La monnaie allemande subit une inflation galopante. Des vols transatlantiques sans escale, ça on a déjà lu. Ok. Donc, normalement, la création de SARL va pouvoir permettre. Va pouvoir permettre la création d'emplois, d'entreprises. Ok, on a débloqué ça. L'arme de talent, la combustion. Alors, on est dans l'ère 3. Dans l'ère 1, on a
tout dans l'air 2. Ah putain, les lignes d'infos d'embâche, il nous les faut, hein. Franchement, il nous les faut. Ouais, les lignes d'infos d'embâche, c'est parti. On va lancer cette recherche recommandée par le maire. Café ton entreprise prospère installée à l'Hexagone. Son propriétaire aimerait utiliser le slogan recommandé par le maire. Ouais, j'accepte. Ok. Ok, alors, on va essayer de changer un peu les financements. Parce que je vois que niveau... Il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas. Poste de police. On va augmenter le financement de la police. Je vois qu'il y a... La sécurité, c'est moyen. Ok, sécurité... Poste de police, la santé on est bon, divertissement on est extrêmement mal. Les petits parcs on va augmenter. Allez, on va proposer ce financement pour la police et pour les parcs. Et par contre, le divertissement c'est grave la merde. Divertissement, peur de noir. Augmenter un peu les patrouilles de police, encore. Putain, vous faites chier, merde, vous pompez des sous. Alors, vote pour un nouveau maire, c'est parti, commencez le vote, et je vais rester maire, c'est bon. 45 contre 16, ouais, c'est quand même... ça va. Ça va, ça passe. Je reste maire. Encore, oh, t'imagines, putain. Tu te fais remplacer par le parti nazi, ça fait chier, putain. Par contre, on dévie trop notre ligne communiste, là, ça va pas. Maire Froussard, le Parti de la Liberté vous traite de Froussard, pourtant que vous êtes un maire trop complaisant. On va se moquer d'eux. Il ne faut pas se fier à votre douceur, vous êtes en train d'apprendre l'art de la cruauté. Cruel plus 2. Ouais, on va être dur. Alors. On a toujours une grosse demande. En industrie et en commerce. Alors on va se préparer à faire un nouveau quartier ici, spécial industrie commerce, pour faire venir plus de d'investissements. On va attendre que les caisses augmentent un petit peu. On va surtout avoir un nouveau changement de financement et ça va vraiment changer nos revenus. Putain, ils font chier, bordel de merde. Allez, on va demander aux progressistes d'être... j'ai pas de point vaincu. La ville en a vraiment besoin, je suis à moins 2. Pas de point avec personne. J'ai un peu de reconnaissance avec le parti modéré, mais ça passera pas ce vote. Ça passera pas. Fait chier, bordel. Fait chier, c'est dommage parce qu'il y a quand même un besoin de sécurité et de police là. Tant pis, passera pas. Allez, je vais commencer avec mes fonds propres à créer un nouveau quartier en danse. On va se faire un truc qui prend tout ça là. Hop. Alors, trop petit. Forme du quartier impossible. Voilà, forme du quartier possible. On va se le créer comme ça. En réseau dense. Confirmer de cadastre. Est-ce que je peux faire directement bam? Ça va coûter non, on va laisser comme ça. Alors par contre, zone industrielle, on n'en veut pas. Zone commerciale, on en veut. On va faire 50-50. Commercial, industrie, c'est parti. On confirme la répartition. On va installer le réseau électrique, ça sera le premier truc qu'on va faire. Est-ce que ça leur plaît? On va essayer quand même. L'électricité, ça sera le premier endroit où on aura l'électricité, ça pète. Et on confirme, on confirme, on propose le quartier, on va l'appeler centrale, quartier, bon on va appeler la centrale parce que c'est là où il y aura le, non. On va l'appeler Newton, voilà. Je sais pas, comme ça, parce que je suis trop poète. Référence à toute cette force électrique, etc. Mais sauf que Newton, il a rien à voir dans l'électricité, on est d'accord. Il y a Monsieur Ampère. Il y a Monsieur Thomas Edison, c'est le téléphone.
Newton, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la... la pomme? Une théorie sur le... Comment ça s'appelle? Allez, bois! Allez, bois! Bordel de merde! Théorie sur... Putain... Le fait qu'on soit accroché au sol et qu'on ne s'envole pas comme si on était sur la lune. Bon, bref, on se comprend. Merci, merci de votre aide. Nouveau quartier. Allez, Newton. Ah, 21, 22, 18. Allez, les amis du parti central, je vais pas pouvoir trop demander parce que j'ai aucune reconnaissance avec vous. Moins 2, moins 2, moins 4, moins plus 3. Allez, j'ai plus 3 avec eux. Le parti modéré, on va exiger. Non. Cela augmenterait énormément. Bon, il va falloir faire un gros forcing. C'est chiant, mais il va falloir faire du forcing. Faire du forcing. Putain, faites chier, bordel. Or, on va les menacer. Putain, on va menacer aussi le parti chrétien. Je menace tout le monde. Je suis grave un dictateur quand même. C'est chaud. Allez, faut que ça passe. Ah, les PD, ils vont me niquer d'une voix. Oh, bon enfoiré. Je rejette la décision et je vous emmerde. Voilà, c'est moi qui décide. Hop. Hop. Ah, ils font la gueule, hein. Mais c'est mort, hein. C'est moi le chef ici. C'est moi le chef. Donc, c'est moi le chef, les amis. Je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cet épisode, de cette découverte. Et gros bisous à tous.